pick in level 1 Tahm Kench. Of course, it'll be very powerful. This is the play, just as I was saying right there, with Mickey X and Caps rolling through lane. And level 1 Tahm Kench, really, really deadly, as two more come out from underneath. And PK, there's just that pocket of vision. G2 are really, really good at being able to play around with these level 1s. And Très propre. Oh, il a TP, il a 100%. Ouais, voilà, et c'est évident qu'il avait back ici. Oh, wow. Très très bien joué. Le Wukong, il a trop bien joué. Mais Armut est trop fort au jeu par contre. Armut est trop fort au jeu. Non, en vrai, les jeux de vision, c'est tout le temps impressionnant, je trouve. Non, les jeux de vision, c'est impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Coucou. Ici on va travailler la vision. Et comment optimiser le jeu de vision pour nous. D'abord on va parler de la vision du champion. Si quelqu'un se cache derrière un mur, on peut évidemment pas le voir. On va voir comment la vision interagit et le Fog of War interagit sur comment on se déplace. On ne peut pas voir à travers les bûches non plus. C'est vraiment, c'est un peu comme les lignes de vue sur Dofus en fait. Tant que t'as pas de ligne de vue, et que t'as des bushs ou des blocs, ou des murs, tu ne peux pas voir. Donc la vision, c'est à peu près plus de 3 flashs. Et donc là, en théorie, l'adversaire ne te voit pas. Et là, on va voir s'il a bien fait et il va jouer avec la vision. Et là, il est pile sur la ligne. Donc là, le TF n'est pas visible par la team rouge, malgré le fait qu'il soit très proche. Yomolette. Le pipi, le caca, le gang, le ouais, le yo. Bah tu m'as gêné, fils de pute. T'es que c'est la texte pour lui, moi, grand merci à toi. Mais vous avez pas pendant mon jeu. On peut toujours pas voir à travers le terrain. Ouais, c'est vraiment une question de ligne de vue en fait. C'est aussi simple que ça. La vision des wards fonctionne exactement comme les champions, mais la range de vision d'une ward, c'est un peu plus de 2 wards, alors que la range d'une vision d'un champion, c'est un peu plus de 3 wards. Il faut connaître les ranges des wards pour voir les champions. Ah ouais, donc là par exemple, t'as effectivement un passage malgré le fait que c'est wardé. Donc là, il faut mettre la ward au milieu.
Là, il montre en fait, il montre tous les. Depuis tout à l'heure, là, il est en train de montrer les défauts entre guillemets des wards et de comment passer au travers. Donc là, par exemple, si quelqu'un peut passer derrière toi, même si c'est wardé ici, par exemple. Quelqu'un peut sortir des vrais, même si le bush est wardé. Quelqu'un peut passer au Drake, même si le bush là river est wardé. Putain, c'est intéressant. En fait, il y a plein de passages où le jungler peut passer. Attends, pour de vrai, là aussi? Ça, c'est insane. C'est important de manger les murs, au final. Maintenant, on va bust un... Enfin, on va prouver... On va prouver la véracité d'un mythe. D'un mythe commun. Ça a été prouvé que la taille d'un champion n'affecte pas sa vision. Après, ça c'est normal en soi. Je sais pas qui pensait que ça changeait quoi que ce soit. Mais... Parce qu'en fait, il faut que le point d'ancrage principal... En fait, il y a une différence entre la hitbox. La hitbox, c'est ce qui comprend tout ton personnage. Mais ton personnage est considéré comme sur un point donné sur une carte, en gros. En gros, sur la map... On va prendre ça pour nous aider. Hop. Attends. Ok, sur la map, un champion, son emplacement, il sera là. Mais le fait que son emplacement est là, ça n'implique pas les hitbox, en fait. Donc si la vision passe là, mais sa hitbox, c'est ça, tu ne le verras quand même pas. Même si la vision passe à travers de la hitbox. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que ça dépasse le point centre de... C'est comme si en gros, moi j'étais sur un pied, tu vois, là je suis sur un pied, mais tant que la vision elle passe pas pile, au moins elle me voit au centre de mon centre de gravité, donc là il y a mon pied, si elle passe juste à côté, là au niveau de mon bras, ben il me voit pas, tu vois. Et en gros c'est ce qui se passe. On ne voit pas, même si tu dépasses, tant que ton point principal du milieu de ton personnage n'est pas vu, on ne voit pas. Et c'est important à comprendre aussi pour comprendre comment fonctionne les hitbox. Et par exemple, regardez, il y a un autre truc, par exemple, c'est que il y a un truc à savoir sur la roulade de Vayne, par exemple. Si Vayne est là, ok, Vayne est là, et elle roulade là, ok, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas avoir les deux, attends, on va juste prendre une broche un peu plus grosse, tu vas avoir les deux points de là où tu vas avoir la position de ton personnage, et tu vas avoir la hitbox. Le problème, c'est que il y a des problèmes de hitbox avec Vayne, parce qu'en fait, ton rond, il est légèrement plus grand que ton point principal. En fait, quand tu fais ta roulade, tu vas passer du point rouge à l'autre. Mais pendant tout le timing de la roulade, ta hitbox a fait cette taille, en fait. Donc, même si ton perso est là ou là, ta hitbox fait cette taille pendant tout le trajet. Donc c'est pour ça que pendant les roulades, t'as tendance à te prendre des spells, parce qu'en fait, ton point initial, il traverse sur cette ligne, mais le temps que tu traverses, le point reste ici. Donc si jamais on touche cette partie-là, tu prendras des dégâts, même si t'es quasiment à la fin, et il ne reset que quand il est à fin. Just for you. Si on prend une arme de sur toute la longueur, ouais. Si ta roulade n'est pas finie, si go to gym, bra. Si t'es ici, to gym. Et que reject la faiblesse, embrace les hommes. Thanks, Aziz. Et que la roue passe comme ça, mais que t'es encore dans l'animation de roulade, tu te manges la roue.
Pourtant, dodge au Q. Ouais, parce que le Q, il dure pas longtemps. Mais ça peut quand même arriver de se le prendre. J'ai un ventilo qui fait du bruit. Tenez, je vous mets la vidéo.